liste, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 avec la Saint-Etienne Football Journal numéro 2, saison 4. On se retrouve suite au début du championnat qu'on a effectué, qui était plutôt poussif. 2-3 choses à vous montrer, 2-3 choses à vous dire en ce début d'épisode. Tout d'abord, le tirage au sort avec les champions a été effectué, mais j'ai enregistré le tirage au sort. Je vais vous montrer tout de suite avec le Captain Crush du passé. Bon, les tirages au sort, la Ligue des Champions avec Saint-Etienne. On est quatrième tête de série, en compagnie de Monaco, Galatasaray, Zenit, Copenhague, Utrecht, Mayence et Ostend, le petit poussé de la compétition. Troisième tête de série, Roma, PSG, Olympiakos, Rangers, Shakhtar, Salzbourg, Kiev et Sociedad. Deuxième tête de série, Liverpool, Juve, Dortmund, Arsenal, Barcelone, Inter, Madrid, Bayern, Leverkusen, du très très beau monde. Limite, le premier tête de série est plus faible. Bayern, Manchester United, Madrid, Milan, City, Paris, Ajax, Porto. Donc je pense que le pire tirage, ça serait genre du City, City Juve PSV ou Sociedad. Et le plus facile, on va dire, ça serait peut-être bien Ajax ou Porto, avec un petit Leverkusen et un petit Kiev. Enfin, un petit tirage automatique. On va prendre notre temps suite à notre retour en Ligue des Champions. Donc Bayern, chapeau, enfin groupe 1, Porto B, Real Madrid C, D, City, Paris E, Ajax F, Milan G et Manchester United H. Oupoula, déjà le groupe A est très costaud, on s'en souvient, la deuxième saison on était tombé dans le groupe de la mort très clairement avec le Real, City et l'Inter. Alors Bayern, Inter, faut être sûr d'éviter, il y a Real, Juve, Milan, Barcelone, voilà, le groupe A, faut surtout l'éviter, il faut absolument l'éviter. Après, le groupe B, je prends, hein. Kiev, Porto, je prends tous les jours. Groupe D aussi, Magaki City. Groupe F, c'est abordable, pourquoi pas. Le E, c'est pas possible, vu qu'il y a Paris. Ah, oh, putain. Pourquoi faut toujours que je tombe dans le pire groupe à chaque fois? Sur cette partie, j'ai zéro chat, c'est un truc de malade. Ça va être dur. Ah, il est plus simple que la dernière fois qu'on était en Ligue des Champions, parce que PSV affaiblit un peu plus la difficulté. Mais on retombe contre l'Inter, bon, qu'on avait fait nul chez nous, mais il y a le Bayern, Liverpool, Porto, Monaco, Kiev, c'est très sympa, Juve, Real Madrid, Rangers, Galatasaray, City, Leverkusen, Sociedad, d'Utrecht, Paris, Atlético Madrid, Roma, Zenit, il est assez relevé celui aussi, Ajax, Arsenal, Salzbourg, Copenhague, Barcelone, Milan, joli match, Olympiakos, Mayence, et Manchester United, Dortmund, Ostend, Shakhtar. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du groupe, et je pense que je suis encore dans le groupe de la mort. Je pense, hein. Ça se joue à peu de choses, mais c'est possible. Hein. Paris, Atlético Madrid, Roma, Zenit, c'est vrai que c'est assez costaud. Pas un groupe facile, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut, au moins finir 3ème, ça serait bien. Puis si on passe les poules, ça serait énormissime. Et donc oui, malheureusement, on se retrouve encore dans un groupe hyper compliqué, comme la saison 2. Le Bayern de Munich, l'Inter de Milan, on les retrouve encore une fois, et le PSV Eindhoven. Donc c'est un groupe moins relevé que par rapport à la dernière édition où on a participé à la Ligue des Champions. De mémoire, il y avait City, Inter, Real Madrid, alors là, c'était un groupe impossible à passer. Là, il y a quand même plus de possibilités, au moins de finir 3ème. Je trouve que, bon, on n'a pas trop le niveau Ligue des Champions, mais l'Europa League, ça nous correspondrait plus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, il faudra passer par le PSV, il faudra passer par l'Inter si on veut se qualifier, parce que le Bayern, je pense que ça va être intouchable. Mais je pense qu'on est tourné sur le groupe de la mort, je sais pas ce que vous en pensez. On regarde le groupe B, elle est quand même pas mal aussi, Liverpool, Porto, Monaco, mais Kiev baisse un petit peu le niveau. Juve, Real Madrid, alors déjà les deux premières équipes sont très fortes, mais ensuite à Rangers, Galatasaray, bon, ça passe à un niveau en dessous. City, Leverkusen, Real Sociedad, Utrecht, c'est un des plus simples pour moi. Paris, Atlético Madrid, Rome, Zenit, c'est pas trop mal. Intéressant comme groupe. Mais pareil, je trouve ça moins fort que le nôtre. Quoique ça se joue. Ouais, quoique. Quoique, je sais pas. Ensuite, il y a Ajax, Arsenal, Salzbourg, Copenhague. Donc pareil, groupe moins élevé. Barcelone, Milan, Olympiakos, Mayence. Alors, vous allez me dire, Mayence, qu'est-ce qui branle là? Eh ben, ils ont fini deuxième de Bundesliga. C'est con, je vais vous montrer ça, j'avais vu ça en farfouillant, ils ont fini deuxième l'année dernière, derrière le Bayern Munich. Et vous voyez qu'au classement, il y a Bayern qui est très loin devant, 94 points, mais vous voyez que Leverkusen, Mayence, Dortmund, ça se joue à pas grand-chose au niveau des points. Et vous voyez que, par exemple, entre la 8e et la 13e place, il y a que 4 points d'écart. Donc voilà, Mayence qui est vraiment un des petits poussés de la compétition, qui sont du coup dans le groupe de Barcelone et de l'AC Milan, mais je trouve que le petit poussé dans ce groupe, c'est United, Dortmund, Ostend, le club belge, et Shakhtar, le petit club, enfin petit club belge. Ils ont quand même le petit Ambrose, Youssouf, qu'on leur a... Ah oui, c'est vrai que Youssouf, qu'on avait vendu à Auxerre, est parti à Ostend pour 2009. Du coup, ils ont pu dépenser un petit peu d'argent avec leur participation en Ligue des Champions. Mais c'est bien, ça change un petit peu d'équipe.
Mais voilà, voilà notre groupe pour la Ligue Champion. Moi, je pronostique au moins la 3ème place. J'espère ça minimum. L'objectif dirigeant, c'est être compétitif. Donc, bon, si on n'est pas, on passe pas les poules, ça sera pas très grave. Ça, c'était la grosse info à dire au début d'épisode. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé en off. Bon, j'ai passé que 3 matchs. Je fais un partout contre Lille. But de Hassan, par contre. Pardon. Avant la mi-temps. Et qui a répondu à Idrissi, qui a marqué 3 buts plus tôt. Ensuite, on gagne 2-0 contre Dijon, but de Torsby de Sambia. Ils ont un peu tardé à marquer contre Dijon, j'étais un peu sur les nerfs. Et là, on marque un but de Pjanic. Et là, c'est là que j'ai dit dans le premier épisode que Pjanic va être important à ces moments-là. C'est que le mec, il a une très bonne note en coup franc, il s'étire des coups francs. Et ce mec-là, à 93ème, qu'est-ce qu'il fait? Il marque un coup franc en pleine lucarne. Match totalement mérité au niveau des stats. 17 tirs à 5 et on gagne 1-0. Je trouve ça incroyable le manque d'efficacité offensive qu'on a en cette saison. On gagne des matchs poussifs. 18 tirs à 2. Lille, je sais plus. Bon, Lille, c'est plus équilibré. Mais c'est aussi avec Marseille où il y avait pas mal d'occasions que j'avais et que je marquais peu de buts. Donc, on est plutôt pas trop mal championnat, même si Paris sont déjà à 5 victoires en 5 matchs. Mais on est 3ème. On est dans le bon wagon quand même. Bon, je pense pas que le titre champion va se jouer sur cette saison, je pense pas. Mais on est poussif, on gagne vraiment des matchs. Un but d'écart et seulement 2 contre Dijon. On marque à la toute fin. Par contre, on se prend très peu de buts. On est la meilleure défense championnat actuellement. C'est le côté positif de la chose. Vous voyez que niveau des buts marqués, on est à que 6, mais on n'est pas la pire attaque championnat. Par contre, on est la meilleure défense. Paris s'est pris 3 buts, moi je m'en suis pris 2. Bon, voilà, c'est un petit détail, on a joué que 5 matchs championnat aussi. Donc voilà, donc problème du jour, moi j'ai que 2 matchs. En commentaire, on m'a dit que ça vous intéresse de voir le Mercato Ligue 1. Donc je vais vous le montrer. Et de voir aussi le Mercato des top clubs européens. Donc on va pas faire chaque club européen. On va plutôt voir les top transferts. Donc les transferts les plus chers du Mercato estival. On va en faire que 2 matchs, le 3. Et après cet épisode-là, ça va être 3 matchs par 3 matchs. C'est le début de saison, c'est comme ça, le temps de montrer le mercato, tout ça. Je peux pas me permettre de faire 40 minutes de vidéo parce que ça me prend trop de temps. J'essaie de rester entre 20 et 30 minutes, qui est un format pas trop mal pour moi. Et pour vous aussi, je pense que c'est pas trop mal. Sinon, je trouve ça un peu trop indigeste de faire des vidéos de 40 minutes. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, chacun son avis là-dessus. On va jouer le Bayern à l'extérieur, le match plus compliqué pour moi. Bayern extérieur. Lorient, je vais le faire en off. Montpellier, je vais le faire en off, ça c'est sûr. Soit je fais Marseille, soit je fais PSG. Soit si je fais Marseille, je vais pas faire le PSG en prochain épisode parce que j'aimerais avancer un tout petit peu. Je pense que si j'avance, je ferai Inter, deux fois l'Inter et pourquoi pas Nice. Enfin bref, je sais pas trop. Pourtant, jouer contre le PSG, ça pourrait être intéressant. Mais je me dis qu'on a quand même pas mal joué contre le PSG depuis le début de la carrière, donc ça serait bien peut-être de zapper un match du PSG. Je sais pas trop pour vous. Comment vous voyez ça? L'OM, ça peut changer un tout petit peu. Ça nous a offert une action épique, notamment avec Wamba Dieng, qui avait marqué à toute fin, si vous vous en souvenez, pour ceux qui s'en souviennent à la saison 2 de mémoire. Pourquoi pas, je pense qu'on peut peut-être faire Bayern et OM dans cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je zappe des matchs du PSG de temps en temps, ou si vous voulez vraiment les gros matchs du PSG. À vous de me dire, c'est ma partie, mais c'est aussi la vôtre. Donc avant de vous montrer tout le mercato de Ligue 1 et top transfert en Europe, juste petite info, Miguel Troco est devenu a obtenu la nationalité française parce qu'il a resté 5 ans sur le territoire. Donc ça fait ça fait 4-5 saisons. Il a atteint sa 6ème saison chez nous, donc il a la double nationalité. Donc c'est une petite info que je voulais vous faire partager. Et aussi des rumeurs comme quoi le club pourrait être racheté. Bon, ça reste que des rumeurs. J'ai eu l'info par mail, je sais pas si je peux l'avoir. Les rumeurs d'une reprise de la SSE persistent. Les discussions se poursuivent concernant un achat de la SSE et malgré le silence entretenu par les dirigeants sur la possible reprise du club en interne de Membrophone, imagine déjà ce que pourrait être l'avenir avec de nouveaux propriétaires. Donc, je sais pas si vous en souvenez, Roland Romeyer était parti fin de saison, fin de première saison, et du coup ça a laissé Bernard Caillazzo tout seul en tant que président. Et du coup, bah il y aurait des rumeurs comme quoi il pourrait partir. Donc souvent dans les cas comme ça, ce sont des fausses rumeurs, mais des fois ça peut arriver que bah, le président vende le club et vous êtes sous embargo et vous pouvez pas réaliser de transfert. J'espère qu'ils vont faire ça cet hiver parce que souvent en hiver je fais pas beaucoup de transferts. Mais en tout cas voilà. C'est des rumeurs c'est bien, ça rajoute un peu de réalisme au jeu, de piment, d'inattendu, ça crée des situations. Et donc pourquoi pas Caillazzo qui lâche le club, sachant qu'il réalise, il n'est pas très apprécié avec Romeyer. Et donc pourquoi pas voir Jean-Michel Aulas racheter le club. Bien sûr, je déconne. Et donc je vais finir par attaquer le mercato, mais je vais vous montrer du coup la fin de mon mercato personnellement. Donc là actuellement j'ai fait une offre pour David Escalera, 2,3 millions, donc faible prix pour un joueur qui a une personnalité enthousiaste, qui est portugais, joueur de l'Atlético, format Atlético d'ailleurs, et qui parle portugais et espagnol, seulement 18 ans. Dans un premier temps, il viendrait chez moi, mais c'est pas encore officiel.
potentiel à 4,5, ce qui est pas trop mal, ça a l'air bas. Et je trouve qu'il a des stats pas trop mal, il est un peu juste en technique. Manque de centre, de marquage, de passe, contre le ball, ce serait pour un latéral soutien, de dribble aussi. Et physiquement, il est minimum, mentalement, il est déjà pas mal. 14 ans d'éther, enthousiaste en personnalité, ce qui est plutôt une personnalité pas mal. Seulement 2 millions 3, je pars pas grand chose. Voilà, je vais tenter le petit David Escalera, oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas encore officiel. Et en tout cas, en termes d'arrivée, ça n'a pas bougé. J'ai pas acheté d'autres joueurs. Par contre, en termes de départ, alors, il y a eu près d'Hugo Ekitike. Je suis un peu fatigué. Donc, joueur comme quoi, IRL, il y avait des rumeurs comme quoi Newcastle était dessus. Qui est un bon petit jeune qui joue bien à Reims, de mémoire. Donc voilà, moi, je l'avais pris en libre comme ça pour l'équipe B, mais je le prête comme ça, plus ça me fait une plus-value. Voilà, j'ai repris Tagnor. Petit Boisbois, joueur formé à Saint-Etienne, prêté à Annecy, mais je vais jamais m'en servir vu ce potentiel. La vente de Papa Ndiaga Yad à Angers, je sais plus si c'était dans. Je l'ai fait en vidéo, vendu 1 million 7. Je me fais 300 000 euros de moins-value, mais bon. Je pense que j'aurais peut-être pu vendre à 2 millions, mais j'étais pas à ça près. Yad qui a pratiquement atteint son potentiel max, qui franchement nous a beaucoup aidé. L'année dernière, 8 buts et 17 passes, une grosse surprise par rapport au temps de jeu convenu et par rapport à ses stats qu'il présentait. Il nous a fait largement du bon taf. Si Angers arrive à s'en servir comme il faut, il peut les aider à leur faire gagner des matchs. Ensuite, j'ai prêté Aymen au Mouefek. Donc, pareil, potentiel qui a pas mal descendu vu qu'on joue vu qu'on a une vision du club plutôt élevée. Prêté à Caen, j'ai pas réussi à le vendre. On va le prêter en Ligue 1, histoire qu'il s'entretienne un peu. Pourquoi pas augmenter des stats et le vendre plus cher. Voilà, après il est pas dégueulasse, mais bon, potentiel un peu juste. Et j'ai prêté Lucas Salvi, donc ça c'est un jeune qui a potentiel pas dégueu, 4,5 c'est pas trop mal, jeune Rennes de 18 ans, que j'avais pris libre, je peux s'en souvenir, à Quevilly-Rouen, qui avait joué en National 2 et qui là va jouer en National au Mans. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de départ important de mon côté. Allez, c'est parti pour le tour du Mercato Ligue 1. On va commencer par Bordeaux, hein, qui n'a pas fait grand-chose. Ils ont pris Racine Colli, ancien joueur de Nice, que je connais, mais sinon, pas d'achat. Ils viennent de monter en Ligue 1, je le rappelle, où j'ai notamment prêté Aouchiche, et ils ont vendu Essienna. Je connais pas. Le Stade Brestois avec Kefren Thuram, bonne recrue pour Brest, c'est pas mal ça, c'est le fils de Thuram, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, formé à Monaco, possédé par Nice notamment, connaît bien les liens, acheté 1,9 million qui fait un bon début de saison. Pape Cissé, donc lui c'est le mec de l'Olympiakos, si j'ai pas de bêtises, qui est notamment passé à Saint-Etienne, ça je m'en souviens même pas. Pourquoi pas, libre. Ibrahim Anian de Lyon, ok. Lyon avait pris 1 million sûrement pour la Rota, mais qui l'ont vendu. Et Orge Bunjaku. Un Suisse, ok, je connais pas du tout, qui était de balle et qui joue à Grenoble-IRL. Ok, pourquoi pas, Brest, ils ont fait quelques mouvements, ils ont du Franck Honorat et Chardonnay à Reims. Chardonnay, c'est pas dégueulasse pour un club qui essaie de se maintenir. Ah, ils ont prêté pas le joueur à Kerat, ça va être un club affilié à eux, en Kazakhstan. Ouais, c'est ça, ils sont affiliés à ce club. Allez, Dijon maintenant, Antonio Rayo, ils ont misé sur l'Espagnol qui était à Majorque. Nicolas Cozza de Leeds, qui était parti à Leeds, joueur formé à Montpellier, qui n'a pas réussi malheureusement en première ligue, donc il est revenu aux sources. Et sinon, Tristan Dagomé, c'est pas mal, c'est pas trop mal, même s'il manque un peu de vitesse. Et sinon, que des départs libres. Ok, nous disons pas grand chose. Lorient, l'achat de Ofri Arad, Kontofurt, israélien, défenseur lanceur, ouais, chez moi, ce serait pas oufissime. Pape Gay de M, Pape Gay c'est pas mal, parce que je l'ai dans ma carrière avec l'OM, il est plutôt pas mal dans la rotation, dans le poste de rotation, il est franchement très bon. 2 millions seulement, donc je trouve que pour l'OM c'est franchement pas mal. Sinon en termes d'arrivée je connais pas trop les autres joueurs. Face au SMS, ils ont pris Skolski, le gardien polonais de 33 ans, bon, un peu vieux mais pourquoi pas. Anthony Briançon, que j'avais déjà testé sur FM20 ou 21 avec Nîmes. Pas dégueulasse, il avait bien progressé avec moi de mémoire et ouais, formé à Lyon qui a passé toute sa carrière à Nîmes et qui du coup pour 1 million est à Metz. Donc Nîmes qui perd Briançon et j'ai pris 111 et ils ont vendu Mikotadze, le géorgien. On passe à Nantes, Maxime Dupé, Flavien Tay de Rennes qui passe chez le camp ennemi. T'as Rennes qui cache 10 millions qui laisse libre à Nantes, quoi, c'est la douille. Saman Godos, l'Iranien. Il va peut-être faire la Coupe du Monde IRL, je pense. Je sais pas s'il joue avec l'Iran encore avec la sélection. Benito Raman, l'attaquant. Belge, pourquoi pas. En tout cas, Nantes, c'était mon premier match de Ligue 1 et on a fait 0-0 contre eux. On nous a posé pas mal de problèmes. La bombe partie, IRL, la bombe, son contrat est libéré par le club. Le LOSC, alors, arrivé de Randy NTK. Ok, je connais pas un Angolais. Il y en a Valécano. Federico Oliva,
un Américain avec une tête pas terrible, comme Atletico. Ils ont vendu Sven Botman à Rennes. Putain, Rennes, ils ont fait une bonne achat. Ah, par contre, il est lent. Ah, c'est le problème. Ah, j'avoue, j'aime pas trop les défenseurs trop lents. On pourrait se faire prendre un profondeur. 3 millions 5. Angel Gomez vendu à Schalke. Montpellier, Ravi Manquillo, vendu par le Stade Rennais. Pas mal. Manquillo, c'est pas mal. Ah, c'est genre Newcastle, Liverpool. Gros CV. Pas grand chose d'arrivé. Arnaud Souki en départ, qui part à West End, qui va faire la Ligue des Champions. Vadillo, Dimitri Berthaud, le gardien. Ok. Mathieu Valbuena, qui joue encore à 39 ans, la vache. À Giannina, en Grèce. Qui est resté deux saisons à Montpellier, quand même. Qui a été full titulaire la première saison qui était arrivé. Et deux saisons de plus dans la rota, mais il a quand même été 10 fois titulaire. Ensuite, Nice. Attention. Alors, on va regarder d'abord les départs. D'où ils sortent. Ah ouais, Justin Kluivert, 58 millions. Ça aide. Ah, ça aide. Hein. 58 millions, ils ont fait une belle vente. Hein. Parce qu'il a pas fait une saison de folie, vu la note moyenne et les buts et les passes des. 58 millions, c'est sûr que moi, j'aurais pas refusé. Kefren Thuram vendu, Danny Luc. 18 millions, Calvin Stengs à Offenheim. Pareil, il jouait plus à Nice. Et 18 millions. 2 millions, Guessant. Ok, des petits points. Et bah, derrière, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent André Amaro. Bon, qu'est-ce plus de la rota. Galeno. Oh là là. Aïe, 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 aïe. J'ai peur. J'ai peur que Nice soit un gros concurrent pour nous. Ok, qui vient de Leeds. Everton. Pas le club, hein, le joueur. Ils ont acheté beaucoup Boisien. Hein. Qui fait une début de saison pas terrible. Mais bon, c'est quand même lui. Stenio. Ok, un jeune de 21 ans. J'ai pas toutes ses stats. Abel Masson. 800 000 euros. Ça arrête, Jane. Rashica, oh la vache, ils ont pris Rashica. Pourtant, Rashica n'est pas exceptionnel dans ses stats. Il est très rapide, certes, mais il n'a pas non plus des stats exceptionnelles. Les buts, ils sont pas terribles. J'ai peur qu'ils ont fait des achats de merde. Moussa Wagé, ou Wagé, qui vient de Lyon, mais qui est passé par Barcelone notamment. 23 millions. Et Marco Varnier, italien, du Vallecano. Putain, ils ont dépensé. Hein. Mais j'ai peur qu'ils ont dépensé trop cher dans des joueurs pas forcément justifiés au niveau de leurs stats. Stats qualité-prix. Je sais pas trop. Je suis dubitatif. Nice, ils font quoi? Ils sont 6e. C'est quand même déjà deux défaites avec une RQ comme ça. Ensuite, Lyon. Alors, Lyon, ils ont fait 125 millions de départs. Allez, quand même. Donc, Lyon, on va un peu s'attarder sur eux vu que c'est notre rival. Colado, vendu 8 millions. Ok. Cartoco et Cambi libre. Pozzo. 86 millions à voir. Ok. Donc, c'est là que vient tout le fric en fait. C'est où c'est ma voir. C'est toujours ça en moins à supporter, entre guillemets, en gros joueur en face de nous. Guri est parti, Jamal Lascelles, ok, l'ancien joueur de Newcastle. Et 23 millions de Moussa Wagé, du coup, que Nice a acheté. Et en arrivée, ils ont pris qui? Ok, des petits trucs libres. Jorge Cuenca, premier à Barcelone, si je dis pas de bêtises. Non, Alcorcon, bien, si t'es allé à Barcelone. Omar Richards, alors lui, je le voulais. Et malheureusement, au moment où je voulais faire l'offre, et bah, Lyon l'a acheté 3 millions 8 seulement. Il était à Reims, en plus, il était déjà en Ligue 1, il connaissait le championnat et tout. Et c'est vrai que j'ai dû me rabattre sur Pellegrini, côté gauche. Mais sinon, j'aurais pris Richards. Regardez ses stats, il est très fort. Seulement 3 millions 8. Bon, après, Pellegrini, c'est pas mal, mais Richards aurait été mieux. Ensuite, Pedro Brazao, Gabriel Barbosa, du PSG. Un joueur du PSG qui va à Lyon. Il fait un 5-6-42, c'est un peu dégueulasse comme début de saison. Auguste Alvarez, 8 millions, 23 ans, ok, ça recrute sud-américain. Penarol et Christophe Clairer, l'Ajax, je connais pas du tout. Marseille, Alain qui prie Fomba, Sangaré, ancien joueur de Toulouse, pourquoi pas. Bornau, alors lui, ouais, il me semble que ça peut être un gros joueur dans FM. Un peu lent, et mentalement complet, et jeu de tête 17. Le mec, pour des coups de tête, il va y aller. Hein. Ok, 15 millions de Yankov, Bulgare, ouais. Complet, un box-to-box. En termes de départ, 53 millions, ils ont du Tongia, jeune que j'essaie de faire progresser en partie avec Marseille, hein, qui peut être très très fort. 17 millions, c'est une belle vente. Alambi, Shakmour. Ah, un Américain, ils avaient pris un Américain, ok. Du Tenerife. Ils ont du Luan Perez et Jordan Amavi. Ok. Paris maintenant, alors, en termes de départ, ils ont vendu Karim Adeyemi, 123 millions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ils ont acheté seulement 22 millions, ils ont vendu 103 millions à Manu. Gary Barbosa, qu'on a vu, vendu à Lyon. Ils ont vu Bulka, et puis voilà. Et derrière, ils prennent Greenwood, 143 millions. Bon, est-ce que Adeyemi est plus fort que Greenwood? Je suis pas sûr. Zielinski en mieux centre, mais c'est plus pour la rota. Apparemment, titulaire régulier quand même. Benoît Badjessi, en défense centrale, donc ça, c'est une très bonne recrue. Hein. 23 ans, mais il est plutôt très bon, le français. Hein. Comme à Monaco, et Malcolm, l'ancien bordelais. Ça, c'est pas des recrues type Neymar, tout ça, calibre là. Oula, j'ai du mal à parler. À part Greenwood, ça me fait pas trop peur. À Lens, ils ont pris Sofiane Diop, putain, mais Lens, ils se font des recrues incroyables. 1,3 million seulement, Sofiane Diop. Magnani, italien, ok, je connais pas, mais il a pas mal.
Georgi Yomov, le Bulgare, encore un Bulgare en Ligue 1. Blanco, Ruben Blanco, gardien espagnol, et Marius Marin, roumain, milieu centre. Et ils ont vendu Farinhez à Chelsea. Putain, la vache, à Chelsea, vache. Ah, il a fait une saison très complète, et c'est gardien titulaire à Chelsea, apparemment. Pellegrini, bah, que j'ai acheté. ARN, Boli, Ted Liv, Sandler, ok. Loïc Badé, à Séville, okay, il a été titulaire dans la carrière. Et il part à Séville. Le dernier coup, car le défenseur central de Rennes est parti à Séville, et bah, il a fini par que son contrat soit résilié parce qu'il était trop fat. Je parle pas sûr de Joris Nagnon. Souleymana, vendu 11 millions à Francfort. C'est très rare qu'il perde dans FM. Je pensais que ça serait une plus grosse pépite que ça, mais en fait, pas du tout. Je l'ai fait jouer à Hambourg dans une partie multi, mais il était pas mal. Pas exceptionnel, mais franchement, pour mon club que j'avais, c'était franchement pas mal. Il a du mal à perdre dans les parties. Hein. Kongolo, ok. Sinon, pas grand chose. Et Isaac Touré, 10 millions, j'ai pas vu. Ok, 21 ans, il a l'air pas trop mal. Qui vient du Havre. Ouais, ouais, Havre qui est au forme des très bons jeunes. Ils ont pris Loan Perez de l'OM, Botman qu'on a eu tout à l'heure. Jean-Eudes. Et Andreas Pereira, que j'ai failli avoir. J'étais sur lui aussi à un moment, je crois que c'est l'année dernière. Mais j'ai pas pu, je sais plus pourquoi, parce qu'il me demande peut-être bien trop cher. Très bon joueur. Vous voyez ses stats, hein. J'avais observé complètement. 6,5 millions d'achat, c'est peu. Après, c'est 200 000 de salaire, ça va. Mais il me semblait qu'à l'époque, il me donnait plus cher où c'était le salaire. Et il a une grosse polyvalence. Quand les promus canets, ils ont pris Mouefek en presse, qui pourrait leur aider parce qu'il a déjà quelques saisons professionnelles en Ligue 1 dans les jambes. Ghislain Konan, Moussa Doumbia, donc pourquoi pas. Samata, donc tanzanien normalement, ouais, c'est ça, qui a joué en Turquie. Et pourquoi pas. Pourquoi pas, ils ont fait un mercato pas trop dégueulasse. Pour 1,5 million seulement, et ils perdent personne derrière de très important, j'ai l'impression. Strasbourg, ah, 18 millions, c'est vrai que Strasbourg, c'est une grosse équipe dans ma game. Hein. Lovrich, d'Aston Villa, ok. Un petit croate. Sarawi, ok, norvégien, de Benfica. Dribble, inspiration, vision de jeu, agilité. Eustachio, je sais pas comment on dit. Canadien qui vient de Barcelone. Original, j'aime beaucoup. Et en termes de vente, Sangali, presque 10 millions, alors que je crois qu'on peut l'avoir libre, ouais, c'est ça. Belle petite plus-value de Strasbourg. Et Camo. Monaco, 87 millions de ventes. Gonzalo, Villar, West Bromwich. Gros stade technique, hein, espagnol. Pas mal. 39 millions de Badiachi Lopez, j'en ai vu. Ravi Lopez, un petit million. Putain, pour un petit million, Angers, ils sont mis bien, là. Mal Augusto, parti à Stuttgart, la pépite française. On met à Lyon. Pietro Pellegrini, l'éternel pépite aussi de FM, qui est plutôt pas mal. Et 34 millions pour Boidou, parti à Leipzig, ok. Le hollandais. Ils ont pris Moussa Djabi. Oh, bien sûr, Moussa Djabi, allez hop, c'est fort. Santiago Munoz. 22 ans seulement, petit mexicain, mais je me fie des jeunes mexicains, ça peut être très bon. Kvaratskhelia. Ouais. Putain, j'ai l'impression que je suis bourré. 9 millions pour qui vient du Rubin Kazan. Jafet Tanganga, l'anglais, formé à Tottenham. Pas dégueulasse l'anglais. Vidovic. Ah, il est bon lui, putain, il a l'air pas mal. Inspiration, agilité, dribble, finition. 20 ans seulement en croate, putain, je connaissais pas lui par contre. Conrad Leimer, ah, lui c'est l'expérience, enfin, l'expérience, il a 27 ans, mais wow, Monaco c'est pas mal. Hein. Donc voilà, on a fait le tour du mercato en Ligue 1. Maintenant on va voir un petit peu les transferts les plus chers. Les transferts les plus chers, on va faire un mois par mois, là en septembre, en tout cas, il y a eu du Mykola Matvienko, parti à Newcastle, défenseur gauche, ukrainien, mais il a 28 ans. Hein, 28 ans pour un mec de 63 millions, c'est quand même cher. Lozano à la 6 millions pour 57 millions, ouais. Nkunku, exceptionnel IRL, hein, il est en feu. Qui était au Bayern dans la partie, qui est parti à Liverpool, 50 millions. Ça va, c'est honnête pour ce qui est. Diaby, on a vu. Lucas Jovic, fais tout, ma voix, ça. Ah ouais, ancien Rennais, parti à Fulham, 38 millions. Putain, Bruges, j'en fais une belle affaire. Hein. Declan Rice, 100 millions pratiquement au Real. Ah oui, tu m'étonnes, 25 ans, t'as les stats comme ça, c'est énorme. Pessina, Matteo Pessina, on va jouer contre lui. Hein. On a l'Inter dans le groupe de Ligue des Champions, on va tomber contre du Pessina. 74 millions, il vient de Liverpool. Curtis Jones, parti à Newcastle. Waouh. Ça fait transfert entre clubs de première ligue. Ah, 206 millions, voilà, oh là. Et sur seulement 5 joueurs. Ils ont pris Rafinha libre. Oh l'affaire qu'ils ont fait. Oh là là. Ah, mais ils ont dû mettre un salaire astronomique. 700 000 euros, ouais, tu m'étonnes. Vous pouvez voir les autres transferts en dessous, hein. Je vais pas tout monter non plus. Et nous, on a eu Frankie de Jong au Bayern. On va jouer contre le Bayern, mais il est champion. Donc c'est tout bon. Adémi Manu, Léon Bailey. Amanu, il a c'était canon Real, ok. Awar, on a vu. Ivan Uzec, 25 ans. Il y a beaucoup de Croates vendus cher là. Demiral, j'aime beaucoup le joueur, IRL. Wesley Fofana, bah ça c'est trop ça que je vous ai montré où j'ai pu avoir 6 millions 5 ou 15 millions, je sais plus, dans mes caisses, vu qu'il est formé chez moi. Sandro Tonali à Liverpool,
91 millions. Szoboszlai, Hongrois, Arsenal. Et c'est tout. Voilà à peu près les gros transferts. Si vous voulez voir les transferts, vous faites pause. Selon les mois, comme ça. Si vous voulez voir. Bon, on va partir sur les deux matchs. J'ai fait la compo en avance, normalement. Cette vidéo se fait en partenariat avec FM Ultra, qui détient un site dédié à Football Manager. Si vous avez besoin d'aide, d'astuces, ou si vous avez besoin de défis à relever, si vous avez besoin d'avoir des databases, etc., allez sur ce site. Et il détient aussi un Discord que je gère avec lui. Tous les liens sont en description. Moi, je vais partir sur cette composition. Green, Sambia, Dizazi, Perez, Troco, Pjanic, Thorsby, Moro, Ikoné, Hassan, Ramirez. C'est la meilleure compo possible que je puisse mettre personnellement. Sachant qu'on joue tous les 3 jours quand même. Bon bah, Lewandowski, Nyak, Brim, Müller, Sané, ça n'a pas bougé. De Jong, Kimmich, Davis, pardon. Soule, Upamecano, Lamptey et Neuer. Limite, l'équipe s'est améliorée en fait. Gabriel Jesus sur le banc. Kimmich, De Jong, lui, tain, il est énorme. Oh. Est-ce que je me mettrais pas en défensif, en mentalité? C'est très rare que je fasse ça, mais je crois que je vais faire ça. Parce que j'ai aucune chance. Clairement, si je suis nul, c'est déjà très bien. Ah, on a un coup franc, Pjanic, allez! Non? Merde, non, c'est pour eux, putain, faux espoir. Oh là là, le poteau. Ah, oh, je vais rester défensif tout le match. Hein. Je pense. Hein. Sané. Kimmich. Parce que si je mets en positif, c'est sûr que je perds. À domicile, je mettrai positif parce que t'as l'avantage d'être à domicile. Mais là, non. Lamptey, Müller, De Jong, Sané. Après, on se prend 3 actions en 16 minutes. Et là, il y a un but marqué qui sera vérifié, mais qui sera validé, je pense. Ouais, il est validé. C'est pas les mêmes moyens. Hein. Lamptey. Limite, l'équipe est meilleure que l'équipe de base. Oh, mais si Dizazi commence à faire de la merde. Ah, il demande un hors-jeu, mais tu mets à contre son camp, donc je vois pas trop. Ouais, bah, il a Dizazi contre son camp. Ah, je suis un défensif et je me prends trop d'action, c'est pas normal. Premier canot. Sous le. Non, peut-être. Mich. Pomicano. Mich. Sambia, pourquoi pas. La contre, Raul Moro, allez. Ouah. Ça, c'était nul. Allez, tu le vois là. Il connaît. Ah oh, putain, il connaît, non. T'as déconné. Kimmich, De Jong. Lamptey, ça passe beaucoup sur le côté droit. Tenter l'offensive, on sait jamais. Ah, le but c'est de marquer au moins un but, ça serait bien. Ah, bizarrement, je suis en offensif, il s'est rien passé pendant 15 minutes, mais ça n'empêche pas de me prendre un 4ème but. Il connaît. Et pourquoi pas, un beau petit jeu en cours là. Moro, Sambia. Moro. Connaît, centre. Oula, très précis tout ça. J'aime bien que ce soit une grosse équipe open, le Bayern, mais ah, bien Thorsby. On a mis le but que je voulais. Ah, Dizazi, c'est une catastrophe. 5,7 Dizazi. J'ai l'impression que les gros matchs importants, Dizazi, là, il fait une image de merde. Lewandowski, hein. C'est un triplé, je crois. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est la branlée. 5-1. Après, je me suis en offensif sur la fin, mais voilà, c'est parce que je voulais mettre mon petit but. Ah, démotivé, voilà. Ça n'avait plus rien de va. Ça y est, on perd 5-1 contre le Bayern. Une des meilleures équipes au monde dans le football. Ah, il n'y avait pas de honte. Hein. Je préfère perdre une fois 5-1 que 5 fois 1-0, hein, comme on dit. Des fois, il faut une bonne petite branlée pour que ça reparte de l'avant. Après, c'est le Bayern à l'extérieur. J'ai dit que ce sera le match le plus compliqué. Aussi, petite précision, erreur de montage en un épisode, vous l'avez fait remarquer, merci à vous, n'hésitez pas à me faire remarquer petites erreurs de montage comme ça. J'ai coupé le but de Raul Moro en fin de match contre Metz. Donc, en plus, ça fait un partout, il y avait un peu de suspense, tout ça. Et le but a été coupé malheureusement, donc je vais remontrer le but pour faire le truc propre. Voilà, je vais montrer le but de Raul Moro qui a d'ailleurs été élu homme de la vidéo du premier épisode. Donc merci à tous ceux qui ont voté. N'hésitez pas à voter, le lien en description, pour élire l'homme de la vidéo, les 3 que je vais nommer en fin d'épisode. Donc voilà, je vais vous montrer l'action. Elle a été coupée par là. Voilà, c'était à ce moment-là. Mon gars qui centre et le centre, voilà, centre à terre, Raul Moro qui met ce but.
Du coup, voilà. Donc, moi, maintenant, on va se retrouver pour l'Olympique de Marseille. Je jouais Lorient et Montpellier en 9. Et du coup, Escalera vers la SSE, c'est fait pour 2,3 millions, sachant qu'il me reste 17 millions du jeu transfert, donc c'est plutôt pas mal. Car il était aussi passé sur la liste des transferts, il voulait s'en débarrasser. Du coup, le contrat va prendre effet le 4 janvier 2025, donc soit cet hiver. Voilà, je pense que cet hiver, il va arriver chez nous, mais je vais leur prêter en Ligue 2, quelque chose comme ça, histoire qu'il s'acclimate au championnat français. Allez, on se retrouve après les deux matchs joués. Donc, face à Lorient, j'ai fait un 2 partout, ce qui est plutôt un mauvais résultat en soi. On perdait même 2-0 au bout de 30 minutes, notamment un but contre son compte de Zaidi. Bon, erreur de jeunesse, mais bon, on va dire que ça arrive. Quentin Boigard pour le premier but, et Kwame qui marque ses premiers buts avec notre club, avec Saint-Etienne, un doublé. Donc, mauvais résultat parce que Lorient est actuellement 17ème, avec seulement 3 points, donc c'est un mauvais résultat, chez nous en plus. Mais d'ailleurs, on se rattrape, on gagne 3-1 contre Montpellier, ce qui est quand même pas mal. Ouais, marque en début de match, donc à ce moment-là, j'étais pas mal énervé suite au match contre Lorient. Je me suis dit, on va encore se prendre une tollée. Et non, Kwame qui réagit rapidement et qui remarque encore, 4ème but en 2 matchs pour Kwame, et Ikoné qui marque aussi. Donc, pour l'instant, Kwame est devant Ramirez dans la hiérarchie au poste de buteur. Donc voilà, on va jouer contre l'OM. L'équipe que je mets, c'est la meilleure équipe pour moi possible sur le terrain, hormis Pjanic que je mets pas parce qu'il est fatigué. Je le mets sur le banc, je mets Zaidi à la place. Voilà, faut qu'il joue des matchs professionnels pour qu'il apprenne ses erreurs. Donc au classement, on est toujours 3ème. De mémoire, au début de l'épisode, on était 3ème. Toujours invaincu, hein, mine de rien. On fait 3 nuls, mais bon, c'est des nuls contre Nantes, Lorient. Tu vois que Nantes, Lorient 17, 14ème, Lille 12. On n'a pas qu'on joue de grosses équipes hein, pour l'instant. C'est que des petites équipes qu'on joue. Hein. Et on va chiner Paris, à Rennes, Lyon, Monaco, ce coin-là il va être très dur. Allez, mais Tiankov, De La Fuente, Under, Verman, Pierman, Gunduzi, Gerson, Damani, Bernau, Gaetakar, Baladi, Paul Lopez. Donc ils ont fait quelques recrues, mais ils ont aussi gardé les joueurs du début du jeu. On est chez nous, donc faut qu'on gagne. Ah, déjà une action au bout de 30 secondes. Donc ouais, contre Lorient, j'ai pas montré, mais bien sûr, j'ai totalement dominé le match. Lorient qui marque sur deux tirs cadrés. Mais ils en marquent qu'un seul parce que le deuxième but est contre son notre camp. Donc dans cet épisode, entre le moment off et le moment où je tourne, où je filme, attention, Moreau, voilà. On a bien marqué contre notre camp. Alors, il est plutôt bien en ce match, mais les stats trop courts pour le corner, dit Zazi. Non. Zazi qui met plus de tête sur les corners maintenant, c'est fini. C'était pour l'arrivée, mais maintenant, oh, attention, Torsby. Trop court. Hassan, oh le but d'Hassan, deuxième but de la saison, je les bute. Sans repris, enfin sans contrôle, tir direct du pied gauche. Allez, pareil qui perd 1-0 contre Lens en ce moment, but de Mofi. Donc on les rattrape de 3 points pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal, Sambia. De toute façon c'est pas fini, on est qu'à même pas 31 minutes, Torsby, Sambia. Ça joue en 2, ça se trouve, Sambia. Voilà, c'est perdu. On récupère la balle Torsby pour Hassan qui a marqué le premier but de ce match, le seul unique pour l'instant, pourquoi pas le 2-0 et le compte son camp. C'est bien. L'épisode compte son camp. 10 tirs à 0, l'OM a fait 0 tir en 43 minutes. C'est pour dire que là, on est costaud derrière. Zaidi, qui est un des seuls joueurs pour l'instant à avoir une note en dessous de 7. Torsby, bien trouvé. Arrête. Arrête pour Lopez. 12 tirs à 1. Ils ont fait un tir en fin de mi-temps. C'est plutôt bon signe, mais on ne mène que d'un but, forcément. Non, de deux, pardon, de deux buts. En même temps, regardez, ils sont complètement cramés. Ils ont dû jouer à un match européen ou je sais pas quoi, mais... Tu m'étonnes, ils sont complètement cuits. Oh là là, pff, ouais. Leur défense, ils font n'importe quoi. But de quoi, mais... Qui est très bon là sur trois matchs. Là, il est définitivement devant Ramirez dans la hiérarchie. Hein. Regardez les cœurs. Hein. Par rapport à moi, c'est une catastrophe. Hein. Donc c'est très important de savoir gérer son effectif par rapport à la condition physique, au temps de repos. Vous voyez, hein, je leur mets 3-0, je pense principalement à cause de ça. Hein. 70e minute. Bon, ça c'est une victoire qui se profile largement contre l'OM. Zaidi, Pellegrini. Bon, ça change contre le Bayern. Le Bayern n'a rien pu faire. C'est Lewandowski qui a tout fait, hein, clairement. Torsby, Zaidi, Pellegrini. Et la petite faute de Sangaré, l'ancien Toulousain. Dans la surface. Qui c'est que je peux faire tirer? Allez, Adil. Fais quelque chose, nom de Dieu. Voilà. Allez, premier but de la saison pour Oshish. Deuxième. Ce serait le deuxième but. Je sais pas si ça compte les amicaux, mais ce serait le deuxième.
Ah, pareil, qui fait un partout, et lorsqu'il s'est pris un rouge, malheureusement, et on se prend un blessé, et Olmo a mis rester frais. Donc quelque chose, parce que là, pour l'instant, t'es deuxième attaquant dans la hiérarchie, Aouchiche. Perdu la balle, mais Torsby récupère Hassan. Oko. Oh là là, où j'ai cru à mes ententes. Lopez qui récupère la balle, la dégage. Ça va être une action pour l'OM, Yankov, peut-être hors jeu. Ouh, le toucher de balle était magnifique. Bon, par contre, tu vas pas me faire une action toutes les 2 minutes, hein, je vais me mettre en très défensif, hein, c'est bon. On a compris. On a compris. Gerson. Aiken qui récupère. Surtout que je joue à 10 là, à cause d'une blessure à la con. Ah non, mais Green, non. Pas ça, Green, pas après tout ce que tu as fait. Oh là là. L'OM est un peu revenu en fin de match, mais bon, il est 4-0, puis on s'est pris un blessé. Ça fait 4-0. Bon, le classement ici de l'épisode. Donc en off, j'ai fait 2 matchs championnat, un nul, une victoire, et là j'ai fait une victoire. Donc ça fait 2 victoires et un nul entre le Bayern et l'OM. Donc l'OM qui est 9ème du coup. On passe 2ème devant Strasbourg à différence de but, et 3 points du PSG. PSG qui s'est pris un but de Mofi à la 91ème, alors qu'ils étaient à 10. Énorme. Énorme, comme dirait Johnny. Ok, on est à 3 points de Paris, c'est pas infaisable, hein. Il faut que Paris fasse quelques nuls et que nous on arrive à enchaîner. Je perds Raúl Moro 3-4 semaines, fait chier. Je sais pas si je représenterai encore le mercato aussi, non, je sais pas du tout parce que je trouve que c'est intéressant de voir, mais autant je sais pas. Je préfère limite avancer ma partie, jouer les matchs que de voir autant de mercato. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez plutôt un mercato plus condensé que ce que je vais vous montrer. Et en tout cas pour moi, dans le montage, ça me facilitait aussi la tâche. Mais après, à vous de voir si vous voulez du mercato comme je vous ai montré. Peut être possible. Donc maintenant, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à l'homme de la vidéo. Bon, ça a été plutôt rapide pour la décision des 3 hommes de la vidéo. Donc je rappelle, ce sont 3 joueurs que je choisis qui ont été très bons dans l'épisode. Donc ils ont automatiquement un point dans le classement final. J'afficherai le classement tous les 2 épisodes à peu près. Et à l'issue de la saison, du coup, celui qui aura le plus de points sera élu homme de la saison. On voit qui et quels joueurs ont plutôt influé dans les bons résultats de l'équipe. Ça sert juste à ça, c'est un petit plus que je fais. Donc, premier joueur Torsby, buteur contre le Bayern, un des seuls joueurs qui a bien joué contre le Bayern Munich. Buteur contre l'OM, non pas buteur, mais 16,5 tout de même contre l'OM, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, sur les 2 matchs que j'ai montré en vidéo, il a été très bon. Deuxième, ça va être Hassan, 6,8, donc un des moins pires également contre le Bayern, et buteur contre l'OM, 8,1, excellent match. Je sais plus si c'était l'homme du match lui ou Troco, c'était un des deux. En tout cas, Hassan a très bien joué contre l'OM. Gratifié du coup d'un but, donc mérité pour lui. Et ensuite, le dernier joueur, bon, ça va être Christian Kouamé. Christian Kouamé qui a fait un excellent épisode, enfin excellent. Je dis ça parce que je viens de jouer 2 matchs et qu'il a planté du coup 3-5 buts en 3 matchs. Du coup, ça m'influe plus dans mes choix. Je dis que je compte pas les autres matchs, mais on va dire que ça compte surtout pour son match contre l'OM. Où il a marqué un but aussi également. 7,3, très bon match de sa part. Après, contre le Bayern, il n'a pas joué. Il est rentré, il a fait 6-5. Bon, voilà. Je peux pas non plus mettre Perez ni Zazie qui ont été catastrophiques contre le Bayern. Ça peut être le Bayern, tu fais pas 5,6 contre le Bayern, c'est pas possible. Malgré que t'aies bien joué contre l'OM, tu peux pas me faire une note pareille contre le Bayern. Donc pour moi, ça c'est rédhibitoire, t'es pas dans l'homme de la vidéo. T'as été catastrophique une fois, c'est mort. Du coup, bah il me reste plus grand chose en joueur, Sambia, Troco. J'aurais pu mettre Troco, tu me diras. Mais j'ai envie de mettre Kwame. Vous votez le lien en description, le Stropole que j'ai mis. Soit Torsby, soit Kwame, soit Hassan. Donc ils ont déjà un point. À vous de voter dans le Stropole pour élire l'homme de vidéo qui aura un deuxième point. J'afficherai le classement au prochain épisode, si j'y pense, bien sûr. Du coup, voilà, moi, je vous laisse là-dessus. Je suis crevé. Je pense, ça y est, presque 23h déjà. Je suis à 1h13 de tournage. Rendez-vous dans 7 jours, du coup, pour la suite de la carrière, du coup. On va se retrouver, je pense, à Paris. Je vais le zapper, je pense, pour une fois en off, histoire de pas avoir que Paris à jouer. Ce serait bien de voir d'autres équipes. Et histoire d'avancer un tout petit peu. Je pense faire PSV, tout ça. Pourquoi pas se retrouver pour l'Inter. Inter-Lyon-PSV, ça peut être un très bon épisode. PSV qui sera une équipe qu'on va pas affronter tous les jours non plus. Lyon pour le derby, ça par contre, je vais le montrer dans tous les épisodes, le derby, parce que bah, c'est un derby. Et l'Inter de Milan à domicile, qui peut être un match capital pour la qualification pour la suite européenne. Donc voilà, on va sûrement se retrouver pour ces 3 matchs. Moi, je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine et surtout, bonjour à tous.